Maître jeune Iti 224. Merci pour cet acte humanitaire. Merci pour votre patriotisme. Merci à la maman Henriette qui ne cesse de donner de l'amour à ses enfants qui en ont besoin. Vous avez pensé assister des orphelins. Ça, c'est une activité noble. Si la jeunesse, toute la jeunesse pensait, les grandes ONG dont nous entendons parler, faire comme vous, ce serait vraiment un pas. Je voudrais vous dire ici encore une fois merci. Ces enfants, aujourd'hui, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de vivre dignement, comme l'a dit. Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin d'étudier. Et si maman Henriette n'a pas d'assistance, je pense qu'il n'y aura pas de résultat. Donc, je ne cesserai de vous remercier. C'est vrai que je n'ai pas eu assez de temps depuis que vous êtes venu m'honorer d'être marraine de la cérémonie. Je n'ai pas eu assez de temps de m'occuper, de m'impliquer et tout ça. Et je pense que la prochaine fois, on le fera. Et je suis à votre entière disposition. Et je vous félicite. Je vous félicite et je vous encourage. Parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont là, des diplômés sans emploi, qui ne pensent pas, qui sont à la maison, qui se victimisent, qui disent nous sommes des diplômés sans emploi et tout ça. Mais vous, malgré vos petits moyens, vous avez initié des activités et aujourd'hui c'est le résultat. Merci beaucoup et félicitations à vous et surtout aux filles. Malgré qu'elles sont en retrait, elles sont derrière, mais vous devez être devant. Ou bien? Elles n'osent pas. Elles n'osent pas. D'accord, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci. Et la suite de la cérémonie va continuer. On va finir le réunion sur vous. C'est bon? Ça c'est Rémi, c'est Mouri. On fait là une photo de famille avec tout le monde. Ok? Allez,